Salut à tous les amis, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour vous montrer comment qu'on installe l'interface DS150 pour WoW. Allez, c'est parti. Alors moi je vous conseille déjà d'installer l'interface sur Delphi, peu importe l'année, le 2015, 2016, 2017, pareil. Alors il faut que l'interface soit connectée au PC et à la voiture à la prise de diagnostic. Je vais vous montrer, moi tout est déjà installé sur Delphi, tout fonctionne. Voilà. Alors, maintenant on clique sur Delphi, clique droit, ouvrir l'emplacement du fichier. Firmware, on copie, copier, on fait pareil d'en haut, on voit le placement du fichier, on va dans ces modules ici, et là on copie, vous faites coller. Moi je le fais pas, j'ai déjà fait. Après, on va aller dans le programme WoW. Le logiciel WoW est dispo sur ma chaîne pour l'installation. Après, on va dans paramètres. Appareil, là on fait diagnostic box, on fait chercher, de toute façon moi il me l'a trouvé, on fait suivant, voilà, on fait ok, annuler, alors là on fait renouveler le micro logiciel, on fait oui, et là ça va enregistrer. Ça prend un peu de temps, ça dépend du PC, du logiciel. Voilà, l'enregistrement est fini. Là, on appuie sur OK. Fermer. Alors on va tester voir si c'est bon. Alors là on essaye directement de faire un jog à la voiture. Alors on fait diagnostic. Identification du système. On va faire un scan normal. Alors on fait sauter boîte de vitesse. Là on fait suivant. Voilà, ça a l'air d'être connecté, on a la tension de la batterie. Ah, c'est bon.
Voilà, c'est bon, ça a installé parce que là, on arrive à rentrer dans les calculateurs. Et c'est des codes défauts. Voilà. Bon, c'est tout, je vais faire arrêter, ça sert à rien de continuer. Voilà, le programme il est prêt à l'emploi, la sonde c'est. Enfin, l'interface s'est connectée. Enfin, ça a installé du moins. Faire un jag sur Delphi voir si tout fonctionne ou wow, c'est bon. Voilà. Oh. On va faire un jag. Voilà, c'est parfait, on peut rentrer dans le calculateur. Voilà, tout est fait. Vous pouvez vous servir de Delphi et de WoW. Voilà, une petite vidéo car j'ai beaucoup de demandes pour comment qu'on installe l'interface sur WoW. Alors j'espère que j'ai été clair, que ça peut vous aider. Voilà, la vidéo est finie, alors n'oubliez pas de vous abonner. Mettez un petit pouce si vous avez aimé la vidéo et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.